Émilie Neffnaff est de nouveau célibataire. Alors que Sofiane Tadjine et elle semblaient filer le parfait amour, la gagnante de Secret Story 3, 2009, a profité d'une interview pour l'émission Web et Jordan pour annoncer qu'ils ne formaient plus un couple. Jordan Deluxe a reçu la belle brune de 34 ans dans son émission pour télé loisirs. Et, alors qu'il pensait qu'Émilie Neffnaff allait lui faire de belles déclarations sur Sofiane Tadjine, il n'était rien. Vous êtes mal informé, parce que si est déjà fini, a-t-elle révélé. Surpris, le présentateur a donc voulu savoir pour quelle raison cette idylle n'avait pas fonctionné. Cela fonctionnait très bien, mais il y a des choses dans la vie qui font que parfois, on doit prendre des décisions, et la meilleure décision si est de ne pas être ensemble, cesse-t-elle justifiée. La maman de Maëla et Menzo, 9 et 7 ans, fruit de ses anciennes amours avec le footballeur Jérémy Ménès, n'a pas souhaité rentrer davantage dans les détails. Elle a tout de même avoué que c'était elle qui était à l'origine de la rupture. Sofiane dira que ça vient de moi, je vais aussi dire que si estime moi car il y a des choses qui vont pas chez nous deux, mais au moins, si estime clair entre nous. Rappelons que si estime fait en avril que l'ancien candidat de la Star Academy, saison 4 en 2004, avait officialisé leur histoire d'amour. Pour ce faire, il avait posté une photo de Émilie Neffnaff et lui en train de s'embrasser, en plein Paris. Contre vent et marée. Parce qu'un vrai on mérite. L'amour n'est ni raisonné, ni raisonnable. Juste une évidence. Une intuition. Je vous le souhaite du fond cœur. Vous me connaissez, avait-il écrit en légende de sa publication. Il s'était ensuite confié sur leur histoire d'amour dans Chez Jordan. L'occasion de découvrir que les candidats des anges de la télé-réalité 3, 2011, s'étaient croisés par hasard à un coin de rue. On était déjà tombé amoureuse il y a quelques années mais ce n'était pas le bon timing. On s'est connu puis elle a fait sa vie, elle est devenue maman et partie vivre à l'étranger, avait confié le chanteur de 41 ans. Et de préciser qu'il avait rencontré les enfants d'Émilie Neffnaff et que tout s'était bien passé.